Pendant que je suis sur YouTube, je regarde une vidéo, je suis tombé sur une vidéo où un milliardaire a parlé. Monsieur dit comme ça que money is useless until it is used. Mon petit Jean Doual. Ça veut dire l'argent pas avoir, hein, ou bien l'argent pas utile tout autant qu'on pas utiliser. Je dis, mais qui ça, monsieur, veut dire? Par la suite, je viens de tomber sur l'autre vidéo pour que monsieur beaucoup plus a expliqué ça me sous là. Et c'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Est-ce que money is useless until it is used? C'est pour vous tomber sur cette vidéo, mais non pas, c'est James, c'est Nek China. Monsieur est branché. Nek China, parce que je suis entrepreneur, je vis en Chine, c'est là que je m'habite, c'est là que je suis businessman. Monsieur est branché parce que c'est moi qui fais des plateformes de branché qui la motive chaque jour, former et puis informer sur tout ça qui a rapport avec entrepreneuriat, faire comme sur internet, entrepreneuriat digital et puis finance personnelle. Donc, si j'ai le sujet, ça, il est intéressant. Abonnez avec Chanel, le branchien sur YouTube. Cliquez sur le cloche pour ne pas rater. Nous postons nouvelles vidéos, nous postons régulièrement. Et puis profitez de suivre le branché sur d'autres réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, avec Instagram. Sur mes petites vidéos, cliquez sur le petit pouce bleu. Bah nous l'ouvrons. Bah nous fleurs, bah nous nous avons senti. Et puis partagez la vidéo sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook. L'autre côté, l'autre ami, capable de jouer un message ça. Zan yon mam sa kap fèt, yon sou branché. Revenon a nou moutou. Money pa gen importance, pa gen valeur, ou bien mte ka di l'ajan se fatra. Tout autant que ou pa utilize l. Se lè utilize l, li gen importance pou bien li useful, li gen utilité. Est-ce que ça veut dire que tout l'argent qui vient dans mon faut dépenser le? Parce que use ça veut dire que li pas dans mon encore ou échanger li pour d'autres choses. C'est là m'te un petit genre pas pour comprendre ça milliardaire ça t'a dit. Même vin comprendre que la parler de investissement. Ce n'est pas que tout l'argent qui est dans le monde, il faut dépenser lui. Et le savoir dit que l'argent a une importance, a une utilité. L'argent n'est pas fait pour être sur un bec à 40 ou bien un matelas ou bien un pochou et puis il pas travail. L'argent doit travailler pour vous. C'est comme un soldat ou vous êtes dans la guerre et puis qui prend le territoire. Si nous prenons un exemple comme ça. L'argent doit travailler. Li doit a fait plus l'argent. Donc ça veut dire que comme qu'il en monde ou déposer la banque soit à 40 tout et puis il pas travail. Donc comme ça d'une certaine manière, il pas utile grand chose. Et bal ton bagage là, on doit pas prêter attention ensemble avec ça. Immédiatement on encore déposer la banque, on a joué 10 000 dollars la banque là. 10 000 dollars, ça, il n'y a pas la banque là encore. Même quand on dépose là, tout est venu avec cash, il a tout transformé en monnaie digitale ou bien monnaie virtuelle. C'est-à-dire qu'il vient donner un digit dans le laptop côté que sur le téléphone, on a gardé ou il y a 10 000 dollars. Mais 10 000 dollars, ça va dans la banque là. Il y a un prêtel, par un entrepreneur, par exemple, qui prend un loan dans la banque là pour faire business ou bien pour investir dans le real estate, etc. Donc, la banque n'a pas regardé lui-même. Immédiatement, on peut dire que la banque, lui-même, il n'a pas quitté la chita. Pas de fin. Ah non, jamais. Il a fait comme ça pour travailler. L'argent, même on souhait, ou redit pour faire, ou même, qui pas connaît, ou dépose la caillou, et mais l'argent, ça lui-même, il a fait prendre la travail. Mais pas de travail pour vous, la travail pour vous. C'est différence là. Est-ce que ça va veut dire que pour pas quitter 1 dollar la banque? Bien sûr que non. Faut gagner ça relé un emergency fund. Faut un fond d'urgence pour souvent cacarel qui bon là, pour pas obliger la vendre bien côté travail du pour posséder, que ce soit business ou pour appliquer dans série de bagages pour capable répondre, faut gagner un fond d'urgence. Environ 6 mois à 1 an de
de coût la vie. Par exemple, si vous avez qui dépense $2,000 le mois, et bien, faut avoir 6 fois $2,000 ou bien 12 fois $2,000 chez ta un côté. Vous voyez ça, fonds d'urgence. Mais en dehors de ça, si vous avez l'argent la banque, probablement c'est l'argent business. Pour gérer business, etc. Ça veut dire son l'argent qui peut pas rester là, qui toujours move. Ou pas ka, en dehors de ça, pour quitter quoi bon la banque. C'est pas sage financièrement. Et l'argent ça vient pas utile ou grand chose. C'est ça, milliardaire ça te vle dit. Quoi pas gain importance, pas utile ou même si vous possédez le pour lire le chez maître maîtresse, si ou pas fait le travail. Donc l'important journée jodi pour apprendre à investir. L'important pour apprendre à investir. L'important pour prendre l'argent que ou fait que ce soit dans le business ou bien dans le travail ou dans le job ou bien dans le freelancing, etc. Ou qui goûte faire bon monde ou un cop qui rentre dans le monde. Si vous avez un fonds d'urgence, je vous conseille d'abord de faire un fonds d'urgence pour ce problème pour qu'il faut que vous la donne et ceci pour urgence seulement, hein, s'il vous plaît. Et puis, reste comme vous supposez retourner dans le marché à travailler pour vous comme de très bons soldats, de très bons serviteurs à travailler pour vous. Que ce soit dans le stock market, que ce soit dans le crypto market, ça veut dire crypto-monnaie, ou bien real estate, ou bien commodities, whatever asset que vous voulez prendre, ou bien vous faites diversification d'asset, je vous conseille ça. Mais mon club, qui est le club VIP investisseur, pour les gens qui veulent investir long terme, les gens qui comprennent ce genre de paroles, vous pouvez venir sur redbrancher.com/VIP. redbrancher.com/VIP. Allez sur le site, vous pouvez le club. Son club côté que même moi dis nous mais qui côté que même m'a investi l'argent va quitter l'argent rester chez ta la banque pas faire moi investir dans real estate, moi investir dans stock market, moi investir dans crypto monnaie pas faire ça, quitter l'argent là pas travailler et puis pensant que l'argent est toujours là, bien entendu il est là dans le sens que hey soit là rien doit retourner lui mais sur pas rien assez cash pour ou bien soit prendre de manière digitale comme il pas coûter rien. Il y a viré sur account tout mais bon ça belle là l'ont déposé ça soit quoi me dit nous ça l'ont déposé $10,000 par exemple là ou bien $1,000 et mais yo multiplier comme là par 9 et puis al prêter lui ba on l'autre monde faut ça dire comment ça fait possible mais c'est comme ça banque fonctionne nous tout ta supposé posséder banque l'ont bien regardé en tout cas c'est Jameson China sur mes vidéos ça partager là avec une famille amis qui a bénéficié de ça qui dit, et puis qui est sous petit pouce bleu, nous l'homme, nous fleurs, pendant nous avons senti, et puis nous branchons.